Les enfants, c'est bon? Faut plus dire allô. Amen. Tu peux dire shalom. Tu peux dire, maman, je t'écoute. Monsieur le directeur. Monsieur le président. Allô, non. Quand tu dis allô, tu donnes le passage au mot de tes lèvres d'entrer directement en réseau avec toi, de là où tu es. Automatiquement, ils peuvent contrôler, ils peuvent injecter tout venin qu'ils ont prévu d'injecter dans ta vie. Parce que tu as dit allô, c'est un passage que tu as donné. L'autre fois, j'avais oublié de dire au pasteur Jacques, pourquoi, quand je l'appelle, il dit seulement, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Il n'a jamais dit allô. Je te posais la question. Je me suis dit, mais il a compris la chose ou pas? J'ai jamais eu l'occasion de poser cette question. Mais je crois qu'il doit connaître ça. Appelez-le. Hein. Appelez-le. Il va appeler. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Tu ne le verras jamais dire allô. C'est qu'il a compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vos amis, la plupart, vous savez que le diable, pour aller au plus simple, parce que les enfants n'ont pas d'état d'âme, ils peuvent sacrifier comme ils veulent. La plupart des enfants, on les injecte la sorcellerie facilement. Même vous les enfants, même vos copines qui vous appellent, ne dites jamais allô, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. La copine avec qui tu parles là, tu ne sais pas combien à distance, les esprits de famille, ils injectent déjà à travers elle des choses sur toi. Moi, votre frère, j'ai été injecté à distance parce que je n'ai pas eu une prudence quelconque. Je fais confiance. Alléluia. À distance, c'est après que j'ai compris que les esprits des familles ont injecté quelque chose à distance par rapport à quelqu'un qui était proche. Au nom de la confiance, tu laisses les portes ouvertes. Eux, ils ne ratent pas. Comme Dieu est principe, eux, ils sont dans la légalité. Sinon, il n'a pas prié. Il a dit allô. Il a donné la passe. Nous, on frappe. Il est légal. Est-ce que ça choque quelqu'un ou vous pensez qu'on exagère? Est-ce qu'on exagère? Alléluia. Gloire à Jésus. On n'exagère pas. On n'exagère pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est important de faire très attention. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, faisons très attention à ces niveaux-là. Il y a un autre point important que nous devons entamer au sujet du téléphone. On va prendre l'exemple. Je peux faire, lui, le pasteur, tu viens avec un téléphone. Viens avec un téléphone. Alléluia. Quelqu'un qui est fort en maths ici, il y a quelqu'un qui est fort en maths. Un jeune, format. Voilà. Tu as un téléphone sur toi? Il est cassé. Ah, il faut qu'on voie les touches. Tu as les touches? Les touches du téléphone. Il est éteint complètement. Il est éteint. D'accord. On a un téléphone qui sont ouverts quand même. Va prendre celui-là. Un jeune qui est fort en mathématiques. En mathématiques simples. 1 plus 1 plus 2. C'est une mathématique simple. Il n'y a pas un jeune là. Une jeune fille, il faut venir. Alléluia. Voilà. Vois les touches, hein? Les touches qui sont là. Tu vois les touches qui sont là? Tu vois, non? Tu vois, il y a 1, 2, 3. Voilà. Ah, tout est fort, hein? Ah, voilà. Alléluia. Tu vois, c'est marqué 1, 2, 3. La première touche là, première rangée. Tu vois, c'est bien. Toi, tu es témoin, non? J'ai pas pris mon téléphone, j'ai pris votre téléphone avant. C'est marqué 1, 2, 3. Maintenant, quand tu prends 1 plus 2 plus 3, ça te fait combien? 6. Ah! Sois béni. Très intelligent. Il y a un autre calcul qui vient. La deuxième rangée, là, c'est quoi? Il y a 4, il y a 5, il y a 6. Il y a 4, il y a 5, il y a 6. Ça te fait combien quand tu additionnes? 4 et 4 plus 5, ça fait combien déjà? 4 plus 5. 9. 9. Tu rajoutes 6. 15. Tu as 15, non? 15, ça veut dire 1 et 5.
Maintenant, tu prends 1 plus 5, ça fait combien? 16. Alors, 1 plus 5. 1 plus 5. 1 plus 5. Ça fait un autre 6. Alléluia, on est bien d'accord. Voilà. Troisième rangée. 7, 8, 9. On prend 7 plus 8. 7 plus 8. 15. C'est bien. Maintenant, tu rajoutes 9. Si quelqu'un peut le dire, si c'est compliqué. Hein? 24. Voilà. 24, c'est 2 et 4, non? Mais tu prends 2 plus 4, ça fait combien? Non. Ça fait 6. Donc, on se rend compte qu'il y a 3, 6. 6, 6, 6. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est bien, les enfants. Merci. Alléluia. On m'a dit, il y a un enfant qui a levé la main. Oui. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons lire l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17. Versets 16 à 18. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Apocalypse 13, versets 16 à 18. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Amen. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ah, main droite et front. Notez bien, main droite et front. On continue. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Gloire au Seigneur. Amen. On continue. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. L'adversaire nous oblige. Tu veux pas. À ta main droite, tu as déjà la marque. Alléluia. À ta main droite, tu as déjà la marque. Tant que tu manipules le téléphone, tu as la marque à ta main droite. Il a l'accès, il a la légalité, il peut faire beaucoup de choses si tu ne prends pas garde. Combien de gens n'ont pas été fléchés à cause de leur téléphone? Alléluia. Tu vas te lever, tu vas saisir ton téléphone. Saisis ton téléphone. Alléluia. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde de ténèbres à la croix de Golgotha. Maintenant, Seigneur, connaissant cette révélation, tout téléphone est marqué. Oh Dieu, je plonge mon téléphone dans le sang de Jésus. Tout point de contact qu'ils utilisent contre moi, le sang de Jésus le désactive. Le désactive. J'augmente le feu, le feu liquide, tout contact. Maintenant, Seigneur, ils n'auront pas accès à moi. Ce téléphone ne sera pas une interface des transferts du monde astral, du monde de la sorcellerie, du monde des eaux contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Cela veut dire, à ta main droite, tu saisis une légalité du diable contre toi. Ah oui. Il a une légalité. Tant que toi, tu ne pries pas sur cet objet qui leur appartient. Ça leur appartient. Ils n'ont pas fait pour tes beaux yeux, pour te faire plaisir. Ils l'ont fait
pour commencer à flécher, à détruire, à affaiblir. En fait, c'est contre toi qu'ils ont fait. À contrôler. Alors qu'il est écrit dans Apocalypse 13, à la main, tu l'as. Eux, tu prends ce téléphone, tu mets à l'oreille. Alléluia. Lorsque tu mets à l'oreille, il y a la tempe qui est là. Il y a l'os frontal. Excusez-moi. Qui couvre cette tempe ici. Donc, automatiquement, quand tu mets à la tempe, c'est l'os frontal aussi qui est sollicité. Tu as aussi mis la marque au front. À la main et au front. Excusez-moi. Feu sur toi. 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 Feu sur la main. 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 Feu sur toi. Le feu sur la main. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend la dangerosité du téléphone? Les enfants, c'est pas de la blague, oh. Ah oui, c'est pas de la blague. L'adversaire ne veut pas pour tes beaux yeux. Regarde combien, lorsque l'enfant tient le téléphone, devient têtu. Il n'écoute plus les parents. C'est à cause du téléphone. Oui, la marque à la main, la marque au front, il impacte son pouvoir. Les femmes deviennent insoumises aux hommes à cause du téléphone. Yes. Malheureusement, le téléphone, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux. Mais ce que vous devez savoir, chaque fois que dans vos codes, on vous dit tapez tant, 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 dièse, quand tu places dièse, c'est pour localiser automatiquement ta situation sociale. Ils le font pour ça. Ils savent si tu es riche, moins riche ou pauvre. Quand tu es riche, vous savez que les riches hériteront difficilement le royaume des cieux. Ah oui, ils mettent en toi l'incrédulité. Ils disent ça là, il faut parler dans les églises. Tu vois, tu as déjà tout. Ils t'injectent des pensées appropriées aux riches. Parce qu'ils connaissent ton code bancaire. Quand tu es pauvre, ils mettent en toi l'insociabilité. Même le contentement, tu ne te contentes plus. Tu cherches jusqu'à... Même les serviteurs de Dieu, ils ont déjà été piégés à cause du téléphone. Le diable sait exactement que tu es amoureux de l'argent. Il va te larguer un peu d'argent. Il sait que tu es pauvre. Il va te mettre un peu d'argent. Et tu vas commencer à dévier la parole de Dieu. Au nom de Jésus, dans Jésus, le vieux, ça n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour te donner un peu quelques miettes. Pour que tu commences un peu à balbutier sur le message de la sanctification. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Te donner des billets, des petits billets de banque. Non. Alléluia. Ça fait partie de ces stratégies. Amener des billets de banque à l'église pour que les serviteurs de Dieu puissent changer leur langage. Alléluia. On sait d'avance. Nous connaissons ces desseins. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense que tu es averti aujourd'hui au sujet du téléphone. Mais il y a un autre point. Là, nous avons compris que l'influence du téléphone ou du smartphone, on peut même entrer dans l'Android. L'Android, en vérité, l'Android est lié à tout ce qui est zombie. C'est ça l'Android. Tout ce qui est zombie. L'objectif, c'est de pouvoir contrôler le monde entier et larguer l'esprit de zombie. Des gens qui ne fonctionnent, qui, en fait, qui perdent la tête et qui n'ont plus le contrôle sur eux-mêmes, mais c'est le satanisme où leur influence est injectée sur les enfants de Dieu. Cette application Android n'a pas été configurée. Le nom Android, en réalité, a la connotation des zombies. Pour ce point, on ne va pas entrer en détail, mais tout cela,
c'est tout simplement pour contrôler. En fait, en gros, le téléphone, c'est fait pour contrôler. En gros, c'est ça. Si on peut retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est pour contrôler tout à chacun. Mais faisons attention. Lorsque tu achètes un téléphone, prie dessus. C'est important. Nous avions eu des délivrances ici où il y a des gens qui ont mis même dans le téléphone des incantations sorcelleries à distance. Lorsqu'ils prennent le téléphone, eux, ils ont les qualités de fléchir. Parce qu'ils ont... Ça leur appartient. Alléluia. Pour les bloquer, il faut mettre le sang de Jésus-Christ et prier dessus. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc ici, on parle du sang. On a parlé du sang. Donc il faut faire très attention lorsque on fait sonner le téléphone dans la présence du Seigneur. Parce que nous donnons accès au monde automatiquement. Il est même idéal, si tu peux, changer même le son de ton téléphone. Parce que la plupart des sons sont codés à leur faveur. Amen. Si tu peux le faire, fais-le, ce serait une bonne chose. Amen. Si tu ne peux pas, tu pries, le Seigneur va agir. Gloire au Seigneur. Mais il y a autre chose que nous devons quand même dire aux enfants de Dieu. C'est par rapport à la musique, le son. La musique. Beaucoup de gens ne font pas très attention. Nous allons lire les Écritures pour donner une dimension par rapport à cela. On va lire dans Ézéchiel 28, du 13e au 17e verset. Ézéchiel 28. C'est pour que nous comprenions l'adversaire, la musique, c'est son domaine. Le son, c'est son domaine. Ah oui, au ciel, c'était l'expert. Ah oui. Donc, il faille que nous fassions attention à la musique. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des chantres sont trop attaqués. Donc, les chantres, vous faites très attention parce que la première cible, le monde des ténèbres, lorsqu'ils arrivent dans l'église, c'est les chantres. Ils attaquent au-delà des serviteurs, bien sûr. Mais les chantres, parce que quand les chantres chantent, le Seigneur descend par sa gloire. Il sait, la Bible déclare, le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Lui maintenant, il met des sons musicaux pour qu'on puisse aussi l'encenser. Donc il se compare au Seigneur. Amen, nous allons lire. Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Oui, 13. À partir du verset 13, je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Mm-hmm. Amen. Alléluia. Vous rendez compte que Lucifer a été créé avec de la musique autour de lui. Ah oui, il a été créé avec ça, selon qu'il est écrit. Il a été créé. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines. Donc tout a été décrit. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, doué dans la musique. Doué. Alléluia. Très important. C'est une notion importante. Les enfants, quand on parle de musique, il faut faire très attention. C'est ici le choix de la musique.
adversaire, ayant l'expertise de la musique, il sait comment incruster ses musiques parmi la jeunesse. La plupart des jeunes sont en enfer à cause de la musique. C'est l'une des choses. Il y a la musique, il y a la publicité, il y a toutes ces choses-là. Mais la musique en fait partie. Donc faisons très très attention. L'adversaire est dans ça. Bien aimé dans le Seigneur. Il est écrit maintenant dans Ésaïe 14, verset 11. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts avec le son des flûtes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voilà, il est descendu dans la fosse, à terre, avec ses flûtes. Il est descendu avec ça, l'adversaire. Il connaît donc la musique. Comme il connaît la musique, il peut donc inspirer à ses différents musiciens, savants, instrumentistes, des sons qui sont à sa gloire. Il lui-même inspire. Même la plupart des instruments, des synthétiseurs, ils inspirent à ses concepteurs de mettre des sons qui sont à la gloire de Lucifer. C'est pourquoi il faut faire attention. Je te conseille même que le Seigneur t'inspire tes propres sons. Parce que tu risques de larguer des sons et bien que tu as entendu un musicien soi-disant chrétien jouer, pourtant c'est une inspiration de Lucifer. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des démons spécialisés pour perpréter dans le monde cette réalité du son. Regardez pour ceux qui ont internet, regardez Furfur. Furfur. Est-ce que quelqu'un a internet? Juste pour voir. Je laisse Gabriel le regarder. Vous savez, va lui checker ça. Check tu internet. Furfur. F-U-R-F-U-R. Voilà. Furfur. Regardez sur internet. Regardez Furfur. Vous allez voir. C'est bon, tu as vu. Tu peux le lire pour nous. Parce que dans Wikipédia. Tiens, tu vois quelque chose? C'est un démon qui est lié au son. Tu peux lire pour nous? Vas-y. Furfur est un démon issu des croyances de la Goétie, science occulte de l'invocation d'identité démoniaque. Son nom proviendrait du latin furfur ou furfur avec un S qui désigne le son. Voilà. Donc, cela veut dire, ici je m'adresse à la jeunesse, il y a un démon dédié spécialement pour la musique profane, la musique de ce monde. Le diable lui-même l'espère. Il ne travaille pas seul, il délègue. Et il s'agit donc de Fiofi. Alléluia. Son rôle, c'est de pouvoir, lorsque Michael Jackson... il veut faire sortir un album Thriller pour gagner le monde. Il doit avoir Fufu. Tu veux, tu veux pas. Il faut passer par Fufu. Oh, je suis Johnny Hallyday. Je suis Céline Dion. Tu veux gagner le monde par ta musique. Je suis Shakira. Tu dois voir Fufu. Quand tu arrives chez Fufu, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais sortir mon album. Ok. Par rapport à ton album, quel est l'impact que tu veux faire? Je veux que ça puisse être mondial. Ah, ok. Quand ça doit être mondial, chaque semaine, nous avons besoin de 50 personnes à mourir. Chaque semaine. Tu es d'accord ou pas? On te fait signer un contrat pour ça. Et on te dit, ne t'inquiète pas, ce ne sont pas les membres de ta famille. Seulement les gens qui écoutent, quand quelqu'un écoute ça, on a le droit, la légalité de frapper. C'est tout. Tu signes le contrat. Et toi, tu vois, il y a du succès. Michael Jackson.
l'église, les gens sont en train de pleurer. Dans le concert même, 100 personnes meurent. 1000 personnes. Il a signé. Il a signé des contrats. C'est-à-dire qu'il faut dire, si tu as des amis qui vont dans des concerts de ces gens-là, ils sont en, encore, le Seigneur encore est en train de les préserver. Parce qu'à chaque concert, obligatoire, même pas le jour du concert, quand tu rentres chez toi à la maison, même en cours de route, il y a accident, même chez toi, tu dors, tu meurs. C'est-à-dire que ils ont la légalité parce qu'il y a un contrat signé. Alléluia. Est-ce que les enfants comprennent? Quand toi tu mets dans tes écouteurs, tu mets, tu écoutes la musique de ce monde-là, tu t'exposes. Mais tu étais la grâce de Dieu et la prière de vos parents. Il y a plusieurs qui disent que la mort était déjà relâchée. C'est la grâce du Seigneur. Parce que l'adversaire a l'égalité. Mais vous ne comprenez pas. Lorsqu'il y a une musique qui est retentie dans une maison, l'adversaire agit par les éclairs. Je vis le Satan tomber comme un éclair. Il agit par les éclairs. Quand la musique sonne, même sur ton téléphone, même à la maison, même à la télé, il y a les éclairs qui descendent et qui alertent les démons de la musique mondaine. Et ils ont la légalité de venir dans votre maison parce que vous les avez appelés. Oui, ils ont la légalité. L'éclair, le son de cette musique descend jusqu'à la profondeur des fosses. Là, ils sont logés. Ils viennent et ils agissent dans votre maison. Les démons, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent certainement avec les femmes de nuit, des sirènes. Et vous allez voir, à cause de musique que vous écoutez, à cause de vous avez les couches de nuit, seulement à cause de musique que vous avez. C'est une porte. Une porte énorme. Alléluia. Vous voyez la dangerosité de la musique. Le son. En ce temps de la fin, l'adversaire travaille beaucoup sur la musique, sur le son. Quand tu t'amuses à aller dans des fêtes païennes, l'ange qui est censé te garder, il n'est pas habilité à écouter des sons codés par le monde des ténèbres. Il disparaît. Toi, tu crois qu'il va venir avec toi dans votre fête là? L'ange, il va venir là. Il ne vient pas, il te regarde de loin. Il ne vient pas. Parce que si il rentre dans ça, il sera corrompu à cause de la musique qui est codée. Il ne peut pas devenir ange déchu à cause de cette musique. Il se met à distance. Il ne peut pas entrer avec toi. Il n'entre pas. Alléluia. Amen. Donc fais attention. Toi qui cherches les anniversaires pour aller danser avec tes frères, je ne sais pas, tes amis. Tu t'exposes. L'ange qui est dédié à pouvoir garder ta vie, il se met à distance. Et l'adversaire frappe. Il frappe toute forme de malédiction sur toi. Et tu te poses la question, Seigneur, mais toi-même, parce que tu as ouvert la porte, tu es allé célébrer l'anniversaire et tu as ouvert des portes. L'ange ne pouvant pas célébrer cet anniversaire, il s'est écarté et l'anniversaire a eu la légalité sur toi. Nous-mêmes, nous sommes les propres sorciers de nos vies. Alléluia. Faisons donc attention à ce niveau-là. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Mais ceux qui craignent l'Éternel, c'est vrai, tu peux te retrouver quelque part où la musique, par hasard, la musique du monde est jouée. C'est par... tu n'es pas allé, mais vous savez, il y a des endroits où tu rentres comme ça. Même dans les marchés. Le Seigneur est prévisible. Il est prévisible. Même si l'ange ne veut pas écouter ces musiques-là. Mais il y a quelque chose que tu as au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Tu crains Dieu. Puisque tu crains Dieu, il y a l'onction qui est sur toi. Et l'onction brise tout joug. Alléluia. Le Seigneur met en toi un pouvoir de répulsion contre tout obstacle qui peut venir vers toi. Parce que l'onction est sur toi. L'onction ne peut pas te quitter.
Alléluia. Même si l'ange peut être à distance, à cause de l'atmosphère, mais toi-même, l'onction qui est en toi, te permet de pouvoir être préservé contre toute forme de frappe ou d'attaque. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça. Il te garde. Amen. Tu as l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les anges n'aiment pas cette musique. Ils n'aiment pas. Ils connaissent ça. Ils sont à distance. Regarde. Mais à cause de l'onction. L'onction qui est en toi, la crainte de Dieu, la sacralité qui est en toi. L'onction coule. Le feu du Saint-Esprit est en toi. C'est bon. Tu préserves. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un commence à prendre des décisions ce matin? Quel est l'enfant qui a commencé déjà à prendre des décisions? Est-ce qu'un enfant peut témoigner ce matin? Est-ce qu'un enfant peut témoigner ce matin des décisions? Parce qu'on a dit la repentance, c'est quoi? Confesser et se repentir. Tu reconnais que ce que tu faisais là n'était pas beau. Maintenant, tu te répands. Même le jeu de vidéo. Codé. Ça ouvre des portes. Comment tu joues les jeux vidéo après la couche de nuit, femme de nuit, c'est eux. C'est ça. C'est eux qui font ça. Donc je nous ai expliqué que la musique du monde a directement lien à Fufu. Fufu ne vient pas seul, elle vient avec des sirènes. Le trône de Satan vient dans ta vie pour rien. Pour rien. Parce que tu ne fais pas attention. Répentance. En ce temps de la fin, l'adversaire a beaucoup utilisé la musique pour corrompre les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant courageux qui peut se repentir pour dire je reconnais, je prends une décision? Est-ce qu'un enfant peut? Ah, tu peux te lever, homme de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu souhaites? C'est pas un problème. Ah. Non, c'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Laissons l'homme de Dieu parler. Caméra, approche-toi. C'est un puissant serviteur. Attention. Alléluia. C'est un puissant serviteur. Alléluia. Par rapport à la musique, avant j'écoutais pas de musique, et puis à force de traîner dehors et tout, forcément on est influencé, donc j'en écoutais, et j'en écoute toujours d'ailleurs, alors que je sais très bien que c'est pas bien. Même aujourd'hui quand on écoute des musiques, tous les chanteurs ils le disent qu'ils sont pactisés avec le diable, et donc ça on l'entend et on écoute quand même. Du coup, le fait de le re-entendre, ça me donne plus envie d'arrêter de le faire. Du coup. Amen. Est-ce que tu peux t'approcher, on va prier pour toi. Les hommes de Dieu vont prier pour le serviteur de Dieu. Alléluia, on va prier pour lui. Parce que cette décision n'est pas facile. Nous avions dit que lorsque quelqu'un prend une décision, c'est le Saint-Esprit qui peut l'aider. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que l'adversaire va chercher à le convaincre. Voilà. Mais c'est un serviteur de Dieu. Amen. Nous allons prier pour lui. Pour que le Seigneur puisse le relever. Pour que le Seigneur puisse le fortifier. Alléluia. Qu'il puisse être un témoignage pour la jeunesse ici en France. Qu'il puisse vraiment parler aux jeunes. Parce que lui-même, je pense qu'il est un témoin du réveil ici. Il a été au début et il voit le cheminement. Et je pense que, en tout cas, il est dans l'histoire. On peut dire ça comme ça. Amen. Alléluia. S'il te plaît, tu peux t'agenouiller. On va prier pour toi. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu as dit dans ta parole
Si quelqu'un avoue ses transgressions, les délaisse, il obtient miséricorde. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous invoquons maintenant, Père, que l'onction qui brise les jougs brise toute malédiction liée à la musique mondaine dans sa vie. Nous brisons, Adonai, pas de gloire, toutes les paroles qui ont été prononcées par la musique, qui sont entrées par ses oreilles, afin de décrire sa destinée. Oh Dieu, nous annulons, Seigneur, toute incantation. Nous annulons toute proclamation liée à la musique qui a été codée et qui a voulu détourner ton serviteur, mon Dieu, mon roi, de sa destinée. Nous ordonnons maintenant, Père de gloire, à la puissance de Furfur, des esprits des eaux, des sirènes des eaux, de lâcher sa vie au nom de Jésus. Nous retirons tout vêtement lié à la sorcellerie, Père de gloire, aux envoûtements liés à Adonai, au monde des eaux, aux sirènes des eaux, à cause de la musique mondaine. Nous ordonnons maintenant que les mélodies de ce monde sortent de ses oreilles au nom de Jésus. Nous nettoyons ses oreilles par le sang de Jésus. Éternel notre Dieu, nous retirons tout sale vêtement, tout manteau de saleté, tout manteau de découragement, tout manteau, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le diable lui a fait porter par le feu du Saint-Esprit. Le Tout-Puissant, éternel, que son âme reçoive la source d'eau vive. Que son âme reçoive la source d'eau vive. Que son âme reçoive la source d'eau vive. Adonai, mon Dieu, qui puisse désirer ta parole, qui puisse désirer, Adonai, Père de gloire, ton esprit, qui puisse désirer ton service, qui puisse désirer, Adonai, Père de gloire, toutes les choses venant du ciel. Remplis-le de toi. Remplis-le de ton feu. Remplis-le de ton feu. Remplis de ton feu, qu'il soit un témoin de ton réveil, ici en France, qui puisse adorer mon Dieu, mon roi, étonner des nations, étonner les jeunes, étonner les autorités, parce que Adonai, tu l'as investi. Adonai, Père de gloire, pense-le ton serviteur. Nous retirons auprès de lui, Adonai, mon Dieu, mon roi, tous les pièges que l'adversaire a mis. Nous retirons auprès de lui, Père de gloire, tous les pièges de l'argent, de la séduction. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton feu l'entoure. Éternel, au nom de cette... Il a proclamé à haute voix et ouvertement, parce qu'il était écrit dans le livre des Actes des Apôtres, qu'il venait déposer les livres de magie devant tes serviteurs, parce qu'il a accompli ta parole. Ô Dieu, descends par ta grâce et fortifie ton serviteur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait très longtemps dans les églises où les gens... Alléluia. Amen. Pendant que les serviteurs de Dieu priaient, j'entendais le Seigneur dire, je suis fier de lui. Amen. Donc tu as reçu. Jésus, et la parole qu'il a dit, c'est venez à moi comme des enfants. Il a dit, Emmanuel est venu à moi comme un enfant. Amen. Amen. Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans les églises, il est rare de voir les gens se répandre publiquement. Alléluia. Les gens sont des. Ils sont saints. Ils sont venus du monde, ils sont saints. Hey! Ils n'ont rien, il n'y a pas de péché, il n'y a rien. Ils sont là, non. C'est le réveil. À l'époque des Actes des Apôtres, les gens venaient avec des livres de magie devant tout le monde. Voilà, on brûlait devant tout le monde. Ils n'avaient pas honte. Là qu'il a posé, Dieu se souviendra toujours de cet acte-là. Parce qu'il y a encore plusieurs ici qui écoutent la musique là. Mais pour lui encore, c'est. Lui, il est encore, c'est l'adulte, mais il a posé cet acte-là. Mais toi, enfant, qui écoute cette musique-là, alléluia, est-ce que quelqu'un veut faire un pas ce matin? C'est un pas de repentance. Viens. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le véritable miracle, c'est la repentance. Quand quelqu'un se répand, il écoute la parole, il se répand. C'est ça même.
Il y en a plusieurs ici qui se cachent, ils sont des saints. Alléluia. Comment tu t'appelles? Axel. Comment? Axel. Axel. Alléluia. Est-ce qu'il y a un micro pour Axel? Il veut dire quelque chose. Dis quelque chose au Seigneur. Amen. Par rapport à ton geste que tu veux faire. Alléluia. Dis quelque chose au Seigneur. Shalom. Shalom. Alors en fait, dans ma maison, ma mère, comme j'étais beaucoup attachée au sport, surtout au foot, ma mère m'a montré des vidéos qui se délivraient du foot. Mais après ça, j'ai continué parce que j'étais attachée. Et du coup, dans cette semaine, dans mon portable, j'étais en train de jouer à FIFA. C'est un jeu de foot. J'attendais une récompense pour moi pendant une semaine, mais au final, mon portable, il marchait plus. Donc du coup, ça m'a énervé. Et après, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas FIFA qui va me faire mon temps pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Lui, c'est un exemple de plusieurs jeunes dans le monde entier qui sont enchaînés par ce jeu de FIFA. Alléluia. Ce jeu emmène plusieurs jeunes en enfer. Seulement ces jeux-là. Et ils ont réussi à entraîner les jeunes. Gloire au Seigneur. Amen. Tu vas t'agenouiller, on va prier pour toi. Homme de Dieu. Alléluia. Et que ce Seigneur va étendre nos mains sur cet enfant. Seigneur Jésus, voilà ton fils. Il a reconnu, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un casse ses transgressions, il ne peut pas prospérer. Mais il a reconnu. Dieu des cieux descend, Seigneur, pour restaurer ton fils. Restaure-le maintenant. Oh Dieu de gloire, nous ordonnons maintenant à tout esprit qui est caché à ces jeux de football. Oh Dieu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu, au nom de cette repentance, nous relâchons ton feu pour briser cette malédiction. La malédiction liée à ce jeu, la malédiction liée à Fufu, la malédiction liée au démon Ariman, nous le brûlons par le feu du Saint-Esprit. Nous sortons cet enfant, mon Dieu, mon roi. Nous brisons tout tombeau dans lequel on a enfermé cet enfant. Oh, nous brisons ce tombeau par le marteau du Saint-Esprit. Il sort de ce tombeau. Il sort de ce tombeau. Nous sortons cet enfant maintenant du tombeau des jeux vidéo. Nous sortons cet enfant de toutes les prisons à Dunaï dans lesquelles on a enfermé. Oh Dieu, à cause de cette reconnaissance, Adonai, que ton feu descende pour restaurer cet enfant. Restaure-le. Relâche ton feu. Restaure-le. Restaure-le. Nous retirons tout manteau d'enfoutement. Toute flèche, toute maladie, oh, tout changement de destinée de cet enfant, nous retirons cela par le feu du Saint-Esprit. Nous ordonnons maintenant à tout démon de cet esprit familier qui s'est attaché à l'homme fort de sa vie, à cause de cette repentance, de libérer sa vie, de sortir de lui, de libérer sa vie. Nous ordonnons maintenant qu'il sorte de lui. Tu n'as plus de droit sur lui. Il s'est répandu au nom de Jésus. Tu n'as plus de légalité. Nous ordonnons maintenant, Seigneur, que ton feu environne cet enfant. Que ton feu environne cet enfant. Qu'il enlève tout désir du football. Qu'il enlève tout désir des jeux vidéo. Nous retirons tout désir par le feu. Nous retirons tout désir par la puissance du feu. Au nom de Jésus, que ton nom soit élevé. Adonai, que de gloire. Que l'eau vive, Adonai, coule dans son cœur. Que l'eau pure coule dans son cœur. Que ça coule dans son cœur. Que ça coule dans son cœur. Pour lui donner la soif de ta parole. La soif de connaître. La soif de te servir. Oh Père, remplis-le de toi. Qu'il soit un jeune épanoui. Un jeune qui te sert. Un jeune qui va réellement être la fierté du réveil au nom de Jésus. Nous le revêtons d'un vêtement nouveau. Un vêtement blanc. Au nom de Jésus, oriente sa destinée. Nous programmons sa destinée. Nous programmons, Seigneur, son œuvre et son ministère. Bénis sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'il soit distingué, que le son étoile brille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous donnons rendez-vous à tous les jeunes. Pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine. Moi, j'ai un témoignage à faire. En fait. Faut savoir qu'avant d'être celui que je suis, j'étais aussi un jeune. Et j'étais accro aux jeux vidéo. J'ai eu toutes les consoles. De la Nintendo à la Sega. J'ai eu la PS1, la PS2, la PS3. J'ai eu toutes les consoles. J'étais accro aux jeux vidéo. J'ai tous les jeux vidéo. Toutes les nouvelles sorties de jeux vidéo, je les avais. FIFA comme lui, j'ai joué à tous les FIFA. Du premier, lui, peut-être qu'il a vu les FIFA 2. Moi, j'ai joué au premier FIFA. Premier FIFA sur PS1, PlayStation 1. J'ai joué à tous ces jeux-là. Et je vais vous dire une chose. J'ai reçu ma délivrance parce que le Seigneur m'a sorti du monde des jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes dans une prison. Il y a une prison pour ça. Et le Seigneur m'a montré cette prison. Il m'a sorti de cette prison. Ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Il faut que vous preniez conscience de ça. Pas seulement moi, vous qui êtes dans les, qui êtes connectés, et vous les enfants qui jouent aux jeux vidéo et qui aimez les jeux vidéo, qui avez même joué une seule fois. Il y a une prison pour ça, en fait. Alléluia. Moi, j'ai été délivré de cela. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'allais plus jamais jouer aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. Je n'ai même plus jamais touché une console. Moi qui étais accro. Je passais des nuits blanches, je passais des jours sans manger, sans boire à jouer aux jeux vidéo. Je passais des semaines sans manger. Comment vous expliquer qu'un enfant passe une semaine sans manger, mais joue aux jeux vidéo? Ceux qui jouent aux jeux vidéo, les enfants, connaissent ce dont je suis en train de parler. Ils savent très bien. On m'a crié dessus, mes parents m'ont crié dessus, je n'entends. C'est comme si tu es envoûté, tu ne comprends même pas ce qu'on te dit. Dès qu'on te chasse, la minute d'après, tu es parti rallumer la console, tu recommences à jouer. Alléluia. Amen. Mais j'ai été délivré de cela. Il faut vraiment que vous preniez conscience de cela et que vous-même aussi. Parce qu'il faut savoir que l'âge ne t'exclut de rien, en fait. Pas parce que tu as 10 ans, tu as 11 ans, tu as dit « Ah, je suis innocent, j'ai rien fait ». Non, tu es coupable. Faut vraiment prendre conscience de ça et vraiment chercher. Si tu ne peux pas, si tu ne veux pas avouer maintenant, tu te rapproches de papa, maman, tu dis écoute, voilà, je veux arrêter. Tu parles à tes parents parce qu'il faut aussi, faut pas oublier aussi que le Seigneur a mis tes parents aussi parce que c'était gardien sur la terre, c'était Dieu sur terre pour le dire comme ça avec petit dé. Donc, quand tu ne peux pas, rapproche-toi de papa et maman. Tu sais que tu souffres de ça, tu sais que ça te fatigue. Tu dis papa et maman, aide-moi. Tes parents viendront voir les hommes de Dieu et on va prier pour toi. Faut pas te cacher parce que je te l'ai dit en vérité, tel que tant que tu joues les jeux vidéo, tu es dans une prison. Et cette prison, je l'ai vue. Et cette prison est horrible. Je ne souhaite pas que tu ailles là-bas si tu meurs. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc, nous donnons rendez-vous à tous les jeunes. Pas cette semaine, pas la semaine prochaine, pas cette semaine-là, mais l'autre semaine, mercredi. On est en vacances. Mercredi, il faut venir. Donc, je demande expressément aux parents d'aider les jeunes de venir. Venez, nous allons échanger. Nous allons échanger, nous allons parler. Alléluia. Et de vos difficultés, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons aussi prier pour vous. Venez, c'est important. Donc, ce que vous avez entendu ici, l'adversaire cible beaucoup la jeunesse. Et il y a trop de jeunes. L'adversaire se tape la poitrine en disant qu'il a quasiment 90% des jeunes dans le monde. Ça lui appartient.